네, 안녕하세요. 저는 오늘 레티샤 홀롱바니 작가님과 대담을 하게 된 조울이라고 합니다. 저는 2011년부터 여성, 퀴어, 노동에 대해서 소설을 쓰고 있는 소설가인데요. 오늘 레티샤 홀롱바니 작가님과 함께 이야기할 수 있게 되어서 무척 기쁩니다. Bonjour, je suis très heureuse de vous avoir cet échange avec vous aujourd'hui. 네, 오늘 대담은 레티샤 콜롱바니 작가님의 책 중에서 한국에 번역이 된세 갈래의 길이라는 책과 여자들의 집이라는 책두 권을 중심으로 여성들의 삶과 작품을 그리는 일에 대해 이야기하고자 합니다. 작가님께서 아까 대기 시간에 이렇게 한국에서 출간된 표지를 제가 보여드렸더니 아주 마음에 들어 하신다고 말씀해 주셨어요. Oui, je trouve que les couvertures sont très belles et très universelles aussi. Et en ça, je les trouve particulièrement réussies.네, 그러면 이제 본격적인 대담을 시작하기에 앞서서 요즘 근황은 어떠신지, 그리고 또 한국 독자분들한테 간단한 인사 말씀 부탁드립니다. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici au Salon du Livre avec vous. Par la pensée, parce que moi je suis physiquement en France. Mes activités en ce moment, je viens juste de publier un nouveau roman en France qui s'appelle Le cerf volant et qui sera très prochainement publié en Corée. Est en train d'être traduit. Et là, je prends quelques vacances après la promotion française de mon livre.정말 바쁘게 지내고 계신 것 같은데요. 말씀해 주신 것처럼 연이라는 신작도 지금 한국에서 출간을 앞두고 있기 때문에 이따 대담의 끝부분에 이 연애라는 작품에 대해서도 함께 이야기를 조금 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 질문을 먼저 드려보려고 하는데요. 이첫 번째 질문은 작가님이 2017년에 출간하신 첫 번째 장편 소설 세 갈래의 길에 대한 질문입니다. 이 작품은 인도의 스미타, 시칠리아의 줄리아, 캐나다의 사라, 이렇게 세 대륙에 살고 있는 서로 다른 처지의 세 여자가 각기 살아가는 궤적을 보여주는 작품인데요. 또이 작품은 그세 여자의 궤적이 서로 다른 삶을 살고 있는 여성들에게도 영향을 미치게 되는 커다란 이야기를 그리고 있습니다. 이때 이제 서로가 영향을 받게 되는 이 다른 여자의 존재는 어떻게 보면 소설 속의 인물들뿐만이 아니라 이 책을 읽는 여성 독자, 마치 저와 같은 사람들에게도 충분히 영향을 미친다고 볼수 있겠는데요. 이 작품을 처음 구상하실 때는 작가님께서 어떤 생각을 가지셨는지 좀 궁금합니다. Je travaillais depuis un certain temps pour le cinéma et puis j'avais dans l'idée d'écrire un roman. Et j'avais envie, mon premier roman, de faire, parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans le monde et de parler avec des femmes du monde entier, sur tous les continents. Et partout où je suis passée, j'ai eu le sentiment que les femmes, encore aujourd'hui, étaient victimes de beaucoup d'inégalités, de beaucoup de discriminations. Et je cherchais un sujet qui me permettrait de parler, de dresser des portraits de femmes dans le monde d'aujourd'hui, de raconter ce que c'est qu'être une femme, les espoirs, mais aussi les difficultés, les combats qui sont ceux des femmes d'aujourd'hui.세 갈래 길에 나오는 주인공인 세 여성은 투쟁할 수밖에 없는 상황 속에 살고 있는 인물들인데요. 이 인물들은 자기가 사랑하는 딸을 지키기 위해서 혹은 자기가 진심으로 지키고 싶은 가업을 위해서 또 자기가 이룩한 사회적 성취를 지키기 위해서 자기가 살고 있는 국가나 공동체에 세습되고 있는 사회 문화적 억압을 좀 거부하는 인물입니다. 작가님의 말씀처럼 오늘날 여성들의 초상이 또 이렇게 어떤 억압 속에서도 자기가 원하는 것을 찾아가고자 하는 용기를 가진 인물들이라고 할수 있는데요. 특히 이세 인물을 설정하실 때 어떤 점을 염두에 두셨는지도 궁금합니다. Quand j'ai choisi ces trois personnages, je crois que ce qui m'a guidée, c'est de les confronter chacune à un défi gigantesque
parfois à une question de vie ou de mort, et de voir comment elles allaient parvenir à surmonter les difficultés. Je crois que ces trois femmes, ce sont trois femmes ordinaires, en fait. Ce sont des femmes de tous les jours, ce sont genre de quelqu'un tous les jours autour de soi. Et dans l'adversité, je voulais les construire, montrer leur courage, montrer que leur potentiel se révèle au cours de ces épreuves et que finalement aucune d'entre elles n'avait imaginé pouvoir surmonter de telles difficultés. Elles se révèlent être de véritables héroïnes, alors qu'au départ, elles étaient des femmes comme tout, je dirais. C'est vraiment sur leur courage et leur résistance que j'ai essayé de travailler.작가님의 말씀처럼 진정한 자기 자신으로 사는 것은 모든 사람들이 원하는 바일 텐데, 특히 여성들의 경우에는 그것을 막는 여러 가지 사회적, 문화적 제약들도 많기 때문에 자기 자신이 되는 일에도 용기를 가지고 용감해져야 된다는 것이 또 한편으로는 조금 씁쓸하게 느껴지기도 하고, 소설에서도 그 내용을 볼수 있는 것 같습니다. Oui, moi je pense que de tout temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il est plus difficile de trouver sa place dans la société lorsqu'on est une femme, parce que les femmes sont enfermées dans un carcan. La société attend beaucoup des femmes. Aujourd'hui, la société dans notre monde attend que les femmes se réalisent professionnelles, bien sûr, mais aussi continuent à assumer toute la charge au niveau du foyer, la charge de l'éducation des enfants, la charge des tâches domestiques. Et je crois aussi que les femmes elles-mêmes sont très exigeantes avec elles-mêmes. La société attend beaucoup d'elles-mêmes et elles-mêmes se mettent aussi beaucoup, beaucoup d'exigences. Et je crois que cette situation, il est temps qu'elle change, il est temps que la société s'adapte beaucoup plus aux femmes, à la condition des femmes, il est temps que les hommes prennent leur part aussi dans l'éducation des enfants, dans la sphère familiale, dans la sphère domestique. Et moi, je crois que le monde ne peut changer que grâce à une collaboration entre les hommes et les femmes. Je pense que la société est à réinventer. Moi, personnellement, je suis une femme, je suis maman d'une petite fille et je voudrais une société plus juste et plus égalitaire pour moi, mais aussi pour ma fille et puis toutes les femmes qui vont leur succéder.그러면 아까 작가님께서 말씀하신 것 중에 이전에는 이제 영화를 찍으셨다고 말씀을 해주셨는데요. 저도 이제 한국에서 작가님이 감독하신 He Loves Me라는 오드리 토트 배우가 주연한 영화가 개봉을 했기 때문에 그 영화를 직접 찾아보기도 했습니다. 이렇게 영화를 찍으시다가 소설을 쓰시게 되면서 특히 이세 갈래의 길이라는 작품은 초고를 집필하시는 데 1년, 그리고 편집자와 연락을 주고받으시면서 퇴고하신 데 1년, 총 2년 동안 쓰신 작품이라고 들었어요. 이렇게 혼자 작업을 하시는 일이 기존의 영화를 찍으실 때랑은 많이 달랐을 텐데, 집필 과정은 어떠셨는지도 말씀 부탁드립니다. Oui, le processus de l'écriture de ce roman et des romans en général, il est très différent du processus au cinéma. Moi, personnellement, j'avais travaillé 15 ans au cinéma. J'ai fait ce premier dont vous parliez, À la folie, pas du tout. J'ai réalisé ensuite un film en France, Mes stars et moi. Et après cette expérience, j'avais envie de trouver un moyen d'expression qui me donne plus de liberté. Pas seulement de contraintes, seulement des contraintes budgétaires. Et il y a tellement d'intervenants que parfois vous avez l'impression que votre parole est limitée. Il faut convaincre les producteurs, les diffuseurs, etc. Et finalement, lorsqu'on écrit un roman, on doit d'abord convaincre une seule personne. En l'occurrence, c'était mon éditrice française. Et j'ai trouvé en écrivant ce
manuscrit de liberté. Je me suis sentie pousser des ailes parce que je pouvais tout ce que je voulais. Je pouvais être en Sicile, au Canada, je pouvais me balader dans ces pays, raconter des choses qui étaient parfois très, parfois très, avec une liberté absolue. Et le travail ensuite avec mon éditrice, il a été très agréable parce qu'il a été d'essayer d'approfondir le trajet de mes trois héroïnes. Il a été aussi de créer un fil rouge, il y a une voie intermédiaire, des poèmes qui tuent le texte, qui ont été aussi ajoutés lors de ce retravail avec mon éditrice. Et je dirais que le manuscrit a été retravaillé, non pas pour des raisons financières, le cas au cinéma, mais pour des raisons vraiment liées au texte, pour améliorer la qualité du texte. Et j'ai vraiment aimé cette façon-là de travailler, et c'est pour ça que j'ai voulu ensuite continuer sur un deuxième, puis un troisième roman. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voix, d'avoir trouvé un moyen d'expression qui me convient et qui me correspond. 작가님께서 소설을 쓰면서 마치 날개를 단 것처럼 제약 없이 작품 활동을 할 수 있어서 너무 좋다고 말씀해 주셨는데, 만약에 정말 세 갈래의 길이 영화였다면 3개국 로케를 해야 되는 아주 블록버스터 영화가 됐을 거라는 생각이 듭니다. Il se trouve que ce qui n'était pas prévu, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que il y a des producteurs qui sont venus me trouver après la parution du roman en France et qui m'ont proposé de l'adapter aussi. Et donc c'est un projet qui est actuellement en cours et j'ai longuement réfléchi et puis finalement je me suis dit pourquoi pas, c'est une aventure un peu folle parce que nous allons tourner en Inde, en Italie et au Canada. Et le film actuellement est en production mais compliqué à mettre en place à cause de la situation sanitaire notamment actuelle. Mais j'ai bon espoir que ce projet puisse aboutir dans les deux ans à venir. 네, 한국에서도 꼭 개봉해서 볼 수 있으면 좋겠습니다. 작가님의 소설 속 인물들을 이렇게 세상의 역경에 도전하는 원동력을 가지는 표현으로 소설 속에서 이제 뱃속에서 팔랑거리는 작은 나비의 날개짓이라는 표현이 나옵니다. 이게 무엇을 하지 않고는 견딜 수 없는 그런 동력을 표현하는 문장인데요. 아마 작가님께는 자신의 세계를 창작을 통해서 독자들과 아니면 관객들과 만나게 되는 것이 이런 날개짓이 아닐까 하는 생각이 듭니다. Oui, moi j'ai toujours écrit aussi loin que je remonte depuis mon enfance en fait, depuis que je sais écrire, j'ai toujours écrit et j'ai toujours aussi beaucoup lu. Et pour moi, j'ai toujours vécu quelque part dans un univers de fiction. J'ai un appétit très grand pour les histoires. J'ai toujours adoré qu'on me raconte des histoires à travers les livres ou à travers les films. Et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et il me semble que l'écriture, pour moi, elle est essentielle. J'ai cet appétit, ce papillon. Qui fait que j'ai toujours envie d'imaginer des nouvelles histoires, de raconter des histoires sous une forme ou sous une autre. Il m'est arrivé aussi de travailler pour la scène, d'écrire pour le théâtre notamment. À chaque fois, finalement, je me dis que c'est le même métier, qu'on prenne un stylo ou qu'on prenne une caméra, c'est raconter des histoires. Et ce qui est important pour moi, c'est que ces histoires aient vraiment un lien fort avec notre société. Que ces histoires, elles donnent à voir des réalités, des vérités. Et quand même une femme, je suis plus sensible aux personnages féminins et plus sensible à ce que vivent les femmes. Et c'est vrai que c'est important, à travers mon travail, de raconter des histoires qui vont parler des femmes. Et j'ai réalisé dans ma de lectrice et de spectatrice que les grands films et les grands livres qui m'avaient marqué étaient tous porteurs de personnages féminins très forts. Et à mon niveau, c'est aussi ce que j'ai envie
de continuer à faire. Raconter des personnes féminins courageux, engagés, dynamiques, et qui sont tous allés de ce papillon dans le ventre, c'est-à-dire d'une pulsion de vie. 작가님 말씀을 듣다 보니까 사실 저도 항상 소설 속의 주인공이나 주요 인물들을 여성으로 선택을 하곤 하는데 그에 대해서 질문을 받을 때도 있어요. 왜 항상 여성들의 이야기만 하느냐. 근데 그렇게 말씀을 들었을 때 제가 할 수 있는 대답은 내가 여성들의 이야기에 관심이 많기 때문이고 더 많은 여성들의 이야기가 필요하기 때문이라고 말을 하게 되거든요. 그래서 작가님의 말씀에도 참 많이 공감이 됩니다. Oui, et je pense que de tout temps, il y a toujours eu énormément de personnages masculins dans la littérature et dans les films et au cinéma, ici aussi à la télévision. Proportionnellement, il y a encore beaucoup plus de personnages masculins que féminins dans la littérature en général. Et donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Moi, j'aimerais... essayer de rétablir une sorte d'équilibre en mettant des personnages féminins en lumière. Et je pense que un écrivain homme qui écrit sur les hommes, on ne lui poserait pas cette question-là. Cette question-là, elle n'existerait même pas. On nous la pose à nous parce que nous sommes des femmes et que nous écrivons sur des femmes. 참, 한국과 프랑스 모두 좀 공감이 되는 부분이 있었던 것 같습니다. 그러면 이어서 다음 질문을 드려보도록 하겠습니다. 그 세 갈래의 길이라고 한국에서 번역이 된 작가님의 첫 번째 소설의 원 제목은 그 세 갈래로 나눠진 머리카락을 하나로 따서 엮은 줄기를 뜻하는 말이라고 합니다. 그래서 소설 속의 주요한 소재이자 새 인물을 엮어주는 계기가 되는 소재로 또 머리카락이 실제로 등장하기도 하는데요. 이 머리카락이라는 것은 사실 여성들에겐 여성성의 의미를 한정 짓고 여성들을 어쩌면 억압하는 수단이 되기도 하는 좀 복잡한 신체의 일부인데 이것에 대해서 작가님께서는 소설을 쓰시면서 어떤 생각을 하셨는지 들어보고 싶습니다. Oui, j'ai écrit en fait la tresse suite à un moment très particulier que j'ai vécu avec l'une de mes proches amies qui est tombée malade d'un cancer et qui a eu besoin d'une perruque, qui a vécu la perte de ses cheveux. Cette perte, elle a été pour elle quelque chose de très douloureux. Et depuis toujours, on sait que les cheveux sont une forme de symbole de la féminité. Et j'avais envie de placer cet élément du cheveu au cœur du roman pour montrer qu'une femme qui perd ses cheveux est atteinte dans sa féminité. Et en même temps, ses cheveux sont un élément, je l'ai découvert dans mes différentes recherches, les cheveux sont un élément extrêmement résistant. On dit qu'un cheveu peut à lui seul supporter une charge très très lourde. Et finalement, cette idée de la résistance aussi, de la féminité et de la résistance, c'est une idée que je voulais placer au cœur du roman. Il me semblait que le cheveu était un joli symbole à la fois de la fragilité des femmes et de leur force et de leur résistance. 작가님의 말씀을 들어보니 사실 이 머리카락이라는 것을 사회적으로 혹은 문화적으로는 여성성의 상징으로 되게 연약하고 그런 이미지를 가지게 됐지만 사실 이 머리카락이 원래 가지고 있는 물리적인 성질은 매우 강하다. 라는 것, 머리카락이 가지고 있는 실제의 힘에 주목을 해서 이 이야기 속에서 세 여성의 연대를 이어주는 소재로 쓰셨다는 게 참 좀 짜릿하게 느껴지는 것 같습니다. Oui, moi je crois beaucoup à la solidarité et au lien entre les êtres humains et entre les femmes. Et ce lien-là, cette solidarité est vraiment au cœur de chacun de mes romans. Bien sûr au cœur de la tresse, mais aussi au cœur des victorieuses et au cœur de mon nouveau roman. Je voulais montrer dès la tresse que
Il existe un lien parfois conscient et parfois inconscient, parfois invisible, mais j'ai foi en ce lien et je crois que les femmes entre elles se donnaient du courage et je crois surtout que leur soi-disant fragilité, elle n'est qu'apparente. Les femmes ont une apparence délicate et fragile, mais en réalité, ce sont des êtres extrêmement forts, extrêmement résistants. Et je crois vraiment que les femmes, le monde est porté par les enfants, sont portés par les femmes. Et donc, il n'est que justice de leur rendre la place qui est la leur.그러면 작가님께서 말씀하신 작가님의 두 번째 소설, 여성들의 연대에 대해서 또 더욱 강하게 드러내주는 여자들의 집에 대해서 이야기를 이어가 보려고 합니다. 이책 표지에는 이렇게 여자들이 서로 힘을 모아서 연대를 하는 모습이 또 한국판에는 그려져 있는데요. 이 소설을 처음 집필하실 때 아무래도 이전 작품보다 더 긴밀하게 연대하는 여성들의 모습에 대해서 쓰고 싶으셨던 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. Oui, ce livre, il raconte un lieu. Ce lieu s'appelle le Palais de la Femme. Et c'est un gigantesque foyer d'accueil pour les femmes qui se trouve en plein centre de Paris. Et pour moi, ce lieu est le lieu de la solidarité, puisque il ressemble à une forme de tour de Babel. Il y a des femmes de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, de toutes les traditions. Des femmes du monde entier qui ont besoin d'un toit et qui se retrouvent dans ce foyer. Et je voulais raconter en fait l'histoire de cet endroit à travers les femmes qui y habitent et celles qui y travaillent aussi, mais aussi à travers l'histoire de la fondatrice de ce lieu qui s'appelait Blanche Perron, qui était une Française qui a vécu. Qui est née à la fin du 19e siècle et qui a œuvré pour les autres femmes. Et cette femme-là, elle a vraiment existé. Et je voulais montrer comment son travail, son action, a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, puisque le foyer qu'elle a fondé en 1926 est toujours un lieu d'accueil aujourd'hui. C'est un lieu de vie. C'est un lieu aussi de reconstruction, puisque les femmes qui arrivent là ont toutes des parcours difficiles et qu'elles sont là pour se reconstruire. Donc c'est un lieu à la fois très engagé, très militant et aussi très inspirant pour une écrivaine.독자분들께 이제 여자들의 집이라는 작품에 대해서 간략하게 조금 더 소개를 드리자면 말씀해 주셨던 것처럼 20세기의 파리에서 블랑슈 페롱이라는 분께서 여성들을 도와주는 쉼터를 만들게 됩니다. 이 쉼터는 이제 거리로 내몰린 여성들이 자신을 지킬 수 있는 마지막 장소가 되는 공간인데요. 작가님께서는 소설 속에 현재를 살아가고 있는 솔렌이라는 여성과 여성들의 쉼터를 만들고자 하는 1925년의 블랑슈의 모습을 교차하는 방식으로 우리에게 이야기를 전해주고 있습니다. 이 이야기는 시대가 흘렀는데도 여전히 존재하는 여성들에 대한 억압과 그 억압 속에서 살아남은 여성들이 서로 연대하는 모습을 보여주고 있는데요. 저는 이제 이 소설도 이제 국내에서는 여자들의 집이라는 제목으로 번역이 되었지만 원제는 승리자들, 그러니까 빅토리어스라고 지으셨다고 해요. 그래서 이 제목이 자신의 삶을 살아가려는 그 자체로 승리자가 되는 여성들의 모습을 그렸다는 점에서 매우 뭉클하게 다가왔습니다. Oui, j'avais envie d'utiliser différents points de vue, deux points de vue pour construire ce roman. Dans La Tresse, j'avais choisi d'alterner trois points de vue de femmes qui vivent toutes les trois aujourd'hui en Inde, en Sicile et au Canada. Et pour structurer ce roman, Les Victorieuses, j'ai choisi d'opposer la partie actuelle, une femme qui vit aujourd'hui à Paris, qui est donc Solène, une avocate qui vient de faire un burn-out et qui cherche à se reconstruire et qui a
accepte une mission publique et qui est envoyée dans ce foyer pour femmes, le Palais de la Femme. Et puis, je vis écrire une partie qui se passerait au Paris, mais dans les années 20, en particulier en 1926, date de la création de ce lieu, de ce foyer, par Blanche Perron. Je voulais montrer finalement qu'à travers les âges, les destins de femmes peuvent se répondre et que cette solidarité dont je parlais tout à l'heure, elle existe aussi à travers le temps. Blanche Perron, elle a œuvré pour que les femmes de son époque aient un toit. Il y avait beaucoup de femmes dans la rue, beaucoup de femmes dans des situations très difficiles et elle a choisi de les accueillir dans ce centre qui est aussi un refuge. Et finalement, elle a aussi œuvré pour les femmes d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce lien-là, à travers le temps, c'est un lien qui me touche aussi et je voulais aussi lui rendre hommage. 네, 말씀처럼 지금 현재에도 유례없는 지금 코로나19 팬데믹 때문에 삶에 대한 불안이 많이 높아지는 상황에서 여성들의 불안은 더 높을 수밖에 없는데요. 이러한 상황 속에서 작가님께서 쓰신 여자들의 집을 읽으면 독자들은 많은 위로와 힘을 얻을 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 사회에서 고통을 겪고 내몰린 여성들을 위한 공간을 만들려고 했던 한 여성의 이야기, 그리고 그 이야기가 100년이라는 시간을 넘어서 지금 현재까지도 이어지고 있다는 이 소설의 메시지가 참 감동적으로 느껴집니다. 혹시 이러한 독자들의 반응을 직접 느껴보신 적도 있는지 궁금합니다. Oui, je suis vraiment très touchée par les retours de lecture que j'ai de mes lecteurs et de mes lectrices, que ce soit à travers les lettres que je reçois, ou que ce soit dans les rencontres que je fais, ou alors par Zoom, quand je donne aussi des conférences. J'ai le sentiment de raconter des histoires, de faire mon métier d'écrivain, en racontant des histoires avec des personnages qui bougent, qui changent, qui évoluent, ancrés dans une société. Et ce que me renvoient les lecteurs, c'est quelque chose de très enthousiaste, de très optimiste aussi. Des gens me disent que mes romans leur donnent de l'énergie. Certains me disent que les romans leur donnent de l'espoir. Certains aussi m'ont dit qu'après la lecture des Victorieuses, ils avaient envie de faire quelques autres. Bien sûr, Blanche Perron, c'est une héroïne extraordinaire. Elle a fait de très grandes choses pour les autres. Mais on peut aussi faire de toutes petites choses pour les autres. Tout compte, chaque geste compte. Et c'est aussi ça que je voulais raconter dans les Victorieuses. Et je suis touchée de voir que parfois la littérature, la fiction rejoint la réalité et parfois que la lecture d'un livre peut déclencher l'envie de s'engager, l'envie peut aussi être une sorte de prise de conscience. Et ça, je dois dire que c'est assez magique pour moi de recevoir ces avis aussi enthousiastes. Mes lecteurs me renvoient beaucoup, beaucoup d'énergie. Ils me donnent beaucoup d'énergie et me donnent envie de continuer à écrire. 작가님께서는 이제 작가란 말을 하고 글을 쓰고 그 힘으로 독자들에게 메시지를 전하는 것으로 사회를 변화시킬 수 있다고 말씀해 주셨는데요. 이 여자들의 집에 나오는 주인공 솔렌도 소설 초반에 의사로부터 번아웃 증후군이라는 진단을 받고 삶의 의미를 잃어버립니다. 하지만 삶의 활력이 되어줄 일로 쉼터에서 대신 글을 써주는 일을 맡으면서 새로운 힘을 얻게 되는데요. 이렇게 타인의 이야기에 귀를 기울이고 무언가를 쓰고 하는 것이 스스로에게도 힘이 되고 사회에도 많은 도움이 된다는 것이 작가님께서 소설 창작에 대해서 가지고 계신 창작관을 잘 보여주는 것 같습니다. Oui, oui, tout à fait. Solène, elle est écrivain. C'est-à-dire qu'elle prête sa plume à des femmes qui ne maîtrisent pas bien le langage écrit, qui ne savent pas écrire correctement en français, qui n'ont pas le vocabulaire suffisant pour s'exprimer. Et finalement, la voix de ces femmes se fait entendre à travers Solène.
Et quelque part, je conçois mon métier d'écrivain aussi de cette manière-là. J'ai envie de porter la voix d'autres femmes qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Ou quand je parle dans la presse des Chables, qui vivent en Inde et qui vident les latrines des villages, eh bien ces femmes que moi-même j'ai rencontrées, elles n'ont pas la possibilité de raconter leur histoire, pas de place dans la société. Et quelque part, j'ai envie de faire entendre leur voix, j'ai envie de raconter qui elles sont. En cela, je suis un écrivain, mais je peux aussi être un écrivain public. En tout cas, il me semble un rôle à jouer dans la société pour montrer, raconter des choses dont on n'a peut-être pas conscience ou qu'on ne voit pas.작가님께서는 이제 말씀하셨던 것처럼 우리가 그 존재에 대해서 디테일하게 알지 못했던, 그러니까 세세하게 알지 못했던 인물들의 실감을 더해서 이야기 속에 풀어냄으로 인해서 독자들에게 이런 삶의 모습이 있다. 그리고 이 삶의 모습에서 깨달아야 할 것이 있다라는 메시지를 전해주고 계신데요. 세 갈래의 길에 나오는 사라, 그리고 여자들의 집에 나오는 솔레는 또 공통점 있는 인물입니다. 이런 공통점으로 또 독자들에게 이야기를 전해주는 인물인데, 이 둘은 유능한 변호사이지만 어떠한 일 때문에 그 일을 계속하지 못하게 된다는 공통점을 갖고 있는데요. 이제 사라는 암에 걸려서 신체적인 건강 문제 때문에, 그리고 솔레는 우울증이라는 정신적 건강의 문제가 생겼기 때문입니다. 변호사라고 하면 사회에서 매우 고위층에 있는 인물이라고 전문직이라고 생각이 되는데 이 인물들은 건강에 이상이 생길 정도로 무리를 해야지만 사회적으로 인정을 받을 수 있는 또 여성들의 또 하나의 모습을 보여주는 인물인데요. 한국에서도 젊은 여성들이 사회적인 문제 때문에 혹은 직업적인 성취 때문에 자살률이 매우 높아지고 있는 암담한 사회적 문제도 있습니다. 이런 부분에 대해서 작가님께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. Oui, je viens de lire un roman qui, je crois, est très célèbre en Corée, qui a été traduit en français récemment, qui raconte Kim Ji-yoon, je ne sais pas si je prononce, né en 1982, je ne sais pas si je prononce bien le terme de ce roman, qui raconte la vie d'une jeune femme coréenne dans la société coréenne d'aujourd'hui, je crois. Et ce livre m'a beaucoup touchée parce que j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec ce que vivent les jeunes femmes dans la société française ou dans d'autres sociétés comme la société canadienne, par exemple, que j'évoque à travers le personnage de Sarah. Le milieu professionnel, le monde professionnel est dur, je trouve, pour les femmes. Je parle du milieu des avocats parce que c'est un milieu que je connais très bien. Mon mari est avocat. Et beaucoup de nos amis sont avocats et avocates. Et je trouve que c'est une carrière très enviée, très brillante, et en même temps extrêmement dure, parce que la société n'est pas organisée pour permettre aux femmes d'avoir à la fois une carrière professionnelle et une vie familiale. Et je pense que certaines sociétés, comme notamment les pays nordiques, la Suède, le Danemark, ou la Norvège, sont bien plus évoluées que nous et permettent aux femmes à la fois d'avoir une vie familiale et une vie professionnelle. Ça, c'est encouragé et c'est valorisé. Et les femmes dans ces pays-là disposent de places en crèche et elles ont des maris qui sont très très conscients qu'ils doivent aussi jouer un rôle actif à la maison. Pour moi, ces pays-là sont des modèles. Et quand je lis ce livre sur Kim Ji-yoon, ou quand je parle à mes amies avocates françaises, je me dis qu'il y a tellement d'inégalités, tellement d'injustices, que la société va devoir évoluer.
Et il me semble très important que ces livres-là soient écrits et largement diffusés, parce qu'il est important que les femmes parlent, qu'elles racontent leurs difficultés, leur mal-être. Et je pense que toutes ces voix sont importantes pour faire changer profondément notre société. Et ce que vous décrivez sur le suicide des jeunes femmes est extrêmement alarmant. Je pense qu'une société qui traite mal ces femmes est une société malade, c'est une société qui ne pourra pas évoluer à long terme. Pour moi, ça, c'est un problème de tous. Et ce n'est pas le problème uniquement des femmes, c'est le problème des hommes et des femmes, des hommes avec les femmes. 네. 작가님께서 말씀해주신 이제 조남주 작가님의 82년생 김지영이라는 작품이 한국에서 많은 반향을 일으키고 여러 독자들에게도 많은 감동을 주었던 작품인데요. 아마 레티샤 콜롬바니 작가님의 작품도 프랑스 독자들에게 그리고 또전 세계로 번역되어 많은 독자들에게 그런 감동을 주고 있을 거라는 생각이 듭니다. 특히 이제 여자들의 집 같은 작품은 앞선 시대를 살아가면서 영웅적인 면모를 보인 블랑슈 페롱이라는 한 명의 인물에게만 존경을 바치는 작품이 아니라 이 소설의 마지막에는 독자들에게도 이제 전율을 약간 느끼게 하는 문장, 저는 몹시 전율을 느꼈는데요. 그러니까 이제 그녀의 삶이 시작된다라는 문장으로 이 소설이 마무리가 되면서 세상 모든 여성들에게 앞으로 어떤 삶이 펼쳐질 것인가를 좀 생각해 보게 하는 작품이어서 더욱 감동적이었습니다. 작가님이 생각하시는 비로소 시작되어야만 하는 삶, 앞으로의 여성들의 삶은 어떤 모습이어야 할까요? Dans Les Victorieuses, la vie qui commence, c'est celle d'un des personnages secondaires du roman. C'est une jeune fille qui était laissée pour compte, qui était à la rue et qui va pouvoir, maintenant qu'elle a un toit, envisager l'avenir, ce qui n'était pas possible avant. Avant, elle était dans la survie. Aujourd'hui, elle va pouvoir vivre. Moi, je veux croire en un avenir meilleur pour les femmes du monde. Mais je crois que le chemin sera long et je crois que c'est un chemin qui est âpre, qui est difficile. Je pense que les femmes vont devoir continuer à se battre pour leur émancipation. Je pense que cette émancipation, elle est essentielle et elle est nécessaire. Pendant des siècles, la voix des femmes n'a pas été entendue. Aujourd'hui, les femmes commencent à prendre la parole. J'espère que ce mouvement, il va continuer. Et j'espère que nos filles, nos petites filles, diront un jour que ces livres que nous avons évoqués ensemble sont complètement démodés. Je rêve que mes livres soient démodés. Parce qu'alors, ça signifiera que les femmes n'ont plus ces problèmes-là, qu'elles ont naturellement leur place dans la société, naturellement dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. J'ai espoir que ce monde-là existe, mais je pense qu'il va falloir continuer vraiment à être très actif pour que ce monde-là puisse exister. 작가님께서는 이제 진정한 여성의 해방이 필요하다고 말씀을 하셨는데, 작가님의 작품에서 여성들이 해방을 하기 위해서 꼭 필요한, 꼭 중요한 소재로 등장하는 것이 배움과 교육입니다. 그러니까 무언가를 알게 되고, 그 알음을 통해서 내 삶을 다시 되돌아보는 인물들이 매우 중요하게 이야기를 이끌어 나가는데요. 작가님의 신작 소설 연도 이런 내용을 담고 있다고 들었습니다. 이제 가족에게 닥친 비극적 사건 때문에 마음의 상처를 받게 된 레나라는 인물이 인도로 떠나서 그곳의 여성들과 교육을 매개체로 연대하면서 벌어지는 이야기라고 알고 있는데요. 이 작품에 대해서도 한국 독자들에게 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. Oui, ce roman, il a un lien avec La Tresse, puisqu'il est en quelque sorte un prolongement de la partie indienne de La Tresse. Et dans ce nouveau roman, on va retrouver certains personnages
de la partie indienne et de la Thrace. Et l'Inde est un pays que je connais bien aujourd'hui, où j'ai beaucoup voyagé. Et c'est un pays où beaucoup de petites filles sont privées d'éducation. Et je suis convaincue que l'émancipation des femmes passe par l'éducation. J'ai passé du temps dans les villages et le cerf-volant se passe dans un village d'intouchable, où les enfants et notamment les petites filles ne vont pas à l'école. Et le roman raconte la création d'une école par Léna, une occidentale. Et à travers cette création d'école, le roman raconte la situation des femmes en Inde et raconte aussi toujours une forme de solidarité, une forme de lien. Le roman raconte aussi qu'on peut choisir sa famille. Bien sûr, il y a la famille biologique, mais il y a aussi la famille qu'on se choisit. Et là, il se trouve que Léna, cette occidentale, eh bien, elle va rencontrer une petite fille indienne qui va changer sa vie. Et l'une et l'autre vont se choisir, en fait. Elles vont choisir de s'unir. Et ce sont des parcours. Il y a aussi un troisième personnage féminin qui est très important dans le roman. Donc, c'est à nouveau une forme de tresse, en tout cas de lien, entre trois femmes d'âge différents qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, mais qui vont se réunir pour œuvrer pour plus d'éducation et de justice. 한국에서 연이 출간되어서 저도 읽을 수 있을 날을 기다리겠습니다. 이렇게 대화를 나누다 보니 시간이 많이 흘러서 이제 마지막 질문을 드리려고 하는데요. 작가님께서는 이제 연이라는 차기 작품에서 삶을 바꾸는 내가 선택한 인간관계, 어떤 만남에 대한 이야기를 하셨다고 말씀해 주셨어요. 근데 이제 사람과 사람의 만남뿐만이 아니라 사람과 작품의 만남, 그러니까 우리가 독자로서 작품을 읽는 것도 내 삶을 바꾸는 특별한 만남의 경험이 될 수 있기 때문에 많은 독자분들께서 레티샤 콜롱바니 작가님의 작품과 만남을 가지셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이제 끝으로 이제 연을 출간하신 지 얼마 되지 않았지만 다음 작품은 또 어떤 작품을 구상하고 계신지 궁금하고 한국의 독자들에게도 끝인사를 남겨주셨으면 좋겠습니다. Mes projets futurs sont donc l'adaptation au cinéma de La Tresse que je m'apprête à réaliser, mais également l'adaptation des Victorieuses en série pour la télévision. C'est un projet qui est actuellement en développement ici en France. Et j'ai également, je commence à travailler sur un nouveau roman qui, de toute façon, parlera aussi et toujours des femmes. Ce sont mes projets actuels et puis j'ai aussi des projets au théâtre ici en France, à Paris. Je veux ajouter que je suis très touchée que mes livres soient traduits en coréen et je suis très touchée de l'intérêt des lecteurs et lectrices en Corée pour mon travail. Je suis très fière d'avoir ces exemplaires traduits et j'espère pouvoir, lorsque la pandémie mondiale régressera. J'espère pouvoir un jour me rendre en Corée parce que je ne connais pas ce pays et j'aimerais beaucoup pouvoir en direct échanger avec mes lecteurs et mes lectrices coréens. Donc je vous dis à bientôt, je l'espère. 네, 오늘 이야기를 나눠보면서 작가님께서 해주신 말씀 중에 우리가 지금 여성들에 대해서 쓰고 있는 지금 현실의 이야기가 언젠가 미래의 독자들에게는 뭐 이런 옛날 얘기를 하고 있지? 라고 느껴지면 좋겠다고 말씀을 하셨는데 저도 많이 공감을 하는 부분이었습니다. 오늘 좋은 말씀 나눠주셔서 너무 감사하고요. 반가웠습니다.